Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Vous le voyez avec le succès de Airbnb ou encore du Bon Coin, nos manières de consommer sont en profonde évolution. Demain, on va sûrement en fait acheter davantage de produits et de services directement à des particuliers. L'autre tendance forte ce sera aussi de ne plus être propriétaire de tous nos biens comme aujourd'hui, nous allons plutôt les louer et tout ceci va rebattre les rapports entre les industriels et les consommateurs, mais au final, va-t-on vraiment y gagner On va en débattre avec Fabien Conro qui est le directeur marketing d'Evolis, qui est une société bordelaise qui propose justement des contrats de location pour tous les types d'objets sur la longue durée et Clémence Noisa, qui est directrice marketing de Give, qui est une plateforme bordelaise de petites annonces de dons d'objets entre particuliers. Alors Fabien Contrault, justement, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui nos modèles de consommation sont autant à bout de souffle. Alors assez logiquement, il y a un grand écart au final entre les, les besoins des consommateurs, où on voit qu'il y a une dynamique euh, qui va plutôt vers la déconsommation, en tout cas aller vers une consommation qui est raisonnable, et puis l'évolution technologique. Le smartphone en est peut-être le meilleur exemple, où au final, on nous pousse à racheter un nouveau smartphone très souvent, parce qu'il y a des, des nouvelles évolutions. On a tous besoin d'avoir le dernier smartphone à la mode, mais on, on essaye d'aller acheter nos produits, typiquement alimentaires, de façon locale. Donc au final, on essaye de, de regrouper forcément ces, ces, deux, ces, ces deux intérêts. Et parce qu'on gaspille énormément aujourd'hui. Et puis avec l'obsolescence programmée, on voit bien que c'est un modèle qui n'est pas durable et qui ne peut pas continuer à perdurer justement pour la planète. Exactement, cette obsolescence, elle convient à personne aujourd'hui, puisqu'elle ne convient pas aux consommateurs d'une part et aux industriels d'autre part, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont été assez loin dans un modèle où ils vont être obligés de revenir en arrière sur la réparabilité euh, et notamment la disponibilité des pièces de rechange. Euh, ne donc... serait-ce que par les lois européennes hein. Exactement, ils en ont d'une part l'obligation et ça devient aussi une envie ou un besoin moral de toute façon pour aller toucher justement cette frange de clientèle qui est de plus en plus large et qui se dit moi je ne suis pas prêt à à chaque fois acheter par exemple un nouveau lave-linge alors que typiquement à lave-linge, ça peut durer 10-15 ans, laver de la même façon, il va juste avoir des nouvelles fonctionnalités, mais globalement qui vont pas changer l'usage du produit. Alors vous, vous, justement, vous croyez à la location longue durée, c'est ce que vous proposez sur par exemple des instruments de musique, mais aussi des smartphones, parce que justement les industriels de cette manière-là peuvent récupérer en fait le service après-vente et récupérer en fait la valeur, enfin tout le cycle de, de, de vie justement du produit, c'est-à-dire de l'achat jusqu'à la fin on serait lié à un industriel. Et c'est pour ça que justement les industriels sont aussi intéressés sur le plan financier sur ce type de démarche. Exactement, la location, l'avantage de ce vecteur-là, c'est que, en fait, ça recrée des cycles. Donc, vous allez faire une première location, ça va être un produit neuf. Euh, bon, objectif, objectivement, on sait que cette partie-là, du coup, elle est aussi consommatrice de CO2, etc., mais elle est nécessaire pour aller pousser des innovations technologiques. Et puis, à la fin du premier cycle de location, euh, nous, on va récupérer le produit, on va éventuellement le reconditionner, euh, donc via des acteurs locaux. Donc, c'est aussi intéressant parce que, du coup, dans, dans un un problème de désindustrialisation. Au final, on arrive à récupérer de la valeur ajoutée de façon locale et en lien, encore une fois, avec les industriels. Et du coup, remettre ce produit-là en location pour recréer un cycle. Donc ces cycles-là, ils peuvent se répéter. Du coup, on arrive à régénérer de la valeur qui, avant, échappait complètement aux industriels. Et là, tout d'un coup, tout, tout coup, on arrive simplement à repousser des produits qui sont remis à neuf, euh, à un tarif forcément qui est moindre. Et donc, ça rentre dans, à la fois dans cette conscience écologique et dans les besoins de l'industriel. Merci Fabien Conro. Alors Clémence Noisa, est-ce que au final le consommateur va vraiment y gagner Est-ce qu'on va payer moins cher parce que c'est la question qui va intéresser dans un premier temps évidemment et en premier lieu le consommateur. Tout à fait. Alors, il faut savoir que dans tous ces nouveaux types d'économies, l'économie collaborative, l'économie fonctionnelle et encore même l'économie du don, qu'on n'a pas encore euh, évoqué, euh, bien sûr, le consommateur s'y retrouve et à différents niveaux. Il donc, l'économie fonctionnelle, en fait, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est justement le fait de louer ces objets. L'économie collaborative, c'est quand on achète un, un service ou un produit directement à un particulier. Exactement. Et donc, je rajoute à ça l'économie du don qui, elle, euh, repose sur le fait de donner des objets directement euh, entre particuliers. Alors, euh, justement, toutes ces économies, aujourd'hui, euh, elles sont intéressante puisqu'elle repose sur la notion de partage. Et euh, à titre d'abord, euh, on va dire au niveau du consommateur, à son échelle à lui, bien sûr qu'il va y gagner, et notamment dans une économie de type don, puisque euh, bah, comme, comme euh, l'essence du don est de la gratuité, euh, bien sûr le, le consommateur va s'y retrouver. Mais il faut savoir qu'à un niveau plus global, au niveau même de la société, finalement, toutes ces économies, elles ont aussi en commun euh, une, une solution, c'est de, de reposer donc sur le partage et également euh, de, de limiter, de réduire tout ce qu'on appelle les externalités négatives. Donc euh, le bénéfice environnemental euh, derrière repose enfin retombe directement sur le consommateur à un moment ou à un autre. Donc oui, toutes ces économies sont bénéfiques pour lui. Mais est-ce que par exemple sur la location longue durée, euh, ça peut être rentable financièrement pour le consommateur alors, euh, pour la... je me tournerai plutôt vers mon, colla... vers mon collaborateur pour tout ce qui concerne la location. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour euh, tout ce qui concerne le don, bien sûr que c'est rentable pour lui. Euh... Oui, ça c'est évident, oui. évident. Mais est-ce que justement, euh, mmh. vous n'allez pas être concurrent entre guillemets entre euh, l'économie fonctionnelle, vous, sur la location, et l'économie euh, collaborative, où euh, là justement, on va même jusqu'au don alors, au contraire, je pense que c'est des modèles qui sont vraiment complémentaires, euh, qui ne s'adressent pas forcément aux mêmes produits et non plus au même cycle de, de vie de, du produit. Euh, donc sur tous les premiers cycles, euh, l'allocation permet d'accéder à des choses qu'on n'aurait pas, pas pu forcément avoir grâce aux dons. Euh, Quel type d'objet par exemple euh, le, Les bons objets euh, comme, comme exemple, par exemple il y a les produits high-tech, euh, mais de la même façon un instrument de musique euh, ça peut valoir très très cher, donc naturellement on ne va pas forcément le donner. Euh, en revanche, lorsque vous avez des enfants, vous avez peut-être envie que votre, votre enfant commence un instrument. Donc qui va vous dire une année, je veux faire du piano. Peut-être que l'année suivante, ce sera un violon. Donc la location répond complètement à ce besoin-là. Et, et donc forcément, c'est là où euh, je pense que les modèles sont complémentaires. À l'inverse, vous avez peut-être une guitare chez vous dont vous n'êtes pas servi depuis euh, 30 ans et qui n'a finalement plus de valeur parce que peut-être elle est abîmée, etc. Et euh, dans le cadre de l'économie euh, du coup de la, de la donation, euh, ça peut ça peut venir en complément euh, d'un produit qui est neuf ou d'occasion mais de très bonne qualité que vous auriez pu avoir en location. Alors, pour le consommateur, justement, expliquez-nous en quoi la location longue durée, parce qu'il peut être sceptique là-dessus, justement, va être moins cher que d'acheter un en fait de cash et de revendre derrière. En fait, la, la, la location, il faut l'avoir comme un principe d'abonnement. Euh, donc, de la même façon. En, en moyenne on dit qu'en France hein, chaque, chacun d'entre nous a entre 5 et 6 abonnements à des services, euh, donc ces abonnements là ils nous permettent en fait d'accéder à des choses qu'on n'aurait pas forcément pu acheter euh, donc la première chose si on prend typiquement la musique c'est le meilleur exemple, hein, on ne va pas avoir une collection de millions de CD chez nous et pourtant euh, ça nous fait plaisir de mettre peut-être 10 euros par mois dans un, dans un, dans un service d'abonnement la location longue durée elle permet exactement la même chose puisque en fait vous avez la flexibilité de profiter de l'usage d'un produit à un moment donné puis de changer donc à un moment donné votre besoin ça ça va être peut-être d'avoir une poussette, euh, l'année d'après, ça va être d'avoir un instrument de musique, et l'année suivante, peut-être d'avoir une télévision. Euh, donc euh, en ça, en fait, le coût lié à la location, il sera forcément inférieur, parce que sinon, vous auriez eu besoin d'acheter un produit d'en avoir l'utilisation, ensuite de le revendre, donc avec la contrainte que ça représente. Euh, au bout d'un moment, ce produit n'aurait plus été garanti, alors que dans le cas de location, il est également. Donc euh, le but, c'est vraiment de voir que dans le cas de la location, vous payez uniquement la partie de l'usage que vous avez du produit, et puis ensuite, ce produit, comme on le disait, il repart dans un autre cycle, et comme on va revaloriser ce cycle-là, ça va permettre de réduire les loyers. Par exemple sur la voiture, c'est évident que demain, on va davantage la louer plutôt que l'acheter, évidemment, en euh, cash. Quoi. Exactement, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Plus des trois quarts des véhicules aujourd'hui euh, sont financés via de la location, donc location avec option d'achat ou location longue durée. Donc on voit que c'est une tendance de fond de l'économie et qui petit à petit, en partant des produits qui sont assez chers comme l'automobile, redescendent vers les produits de notre quotidien. Alors, le problème pour l'instant de ce modèle, c'est que les réparateurs, tout en fait, l'écosystème des réparateurs, que ce soit sur des télévisions, l'IFI et autres, il a quand même sacrément disparu ces dernières années en France. Donc, il faut le recréer pour que ça fonctionne aujourd'hui. Et exactement, et en ça, le fait qu'on récupère les produits et qu'on veuille les remettre en location, ça crée ce cercle vertueux, puisqu'on a besoin de s'appuyer sur un réseau. Donc, ce réseau, on va essayer de le reconstituer au fur et à mesure, donc, que ce soit via les industriels ou via des spécialistes. Et donc, petit à petit, on crée ce maillage pour dire que sur toutes les catégories de produits qui sont en location, on peut du coup recréer cette valeur-là. En remettant des, des produits à neuf au final dans les mêmes configurations que celles d'origine et euh, en allant chercher des spécialistes sur chacun des produits, donc ça recrée au niveau local, alors que la production elle a été faite forcément dans 98% des cas euh, en dehors de l'Europe. Là, on recrée de la valeur en local puisque la plupart de nos prestataires euh, sont et même la quasi, la quasi intégralité sont euh, locaux. Alors Clémence Noisa, justement, sur quel type d'objet vous, vous vous positionnez Sur quoi ça fonctionne Sur l'économie du don Et puis même, qui sont les gens qui donnent alors, euh, je voudrais déjà faire un petit rappel sur le don en général. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de don, on a tendance à parler, à penser, à associer don à euh, don d'argent. Euh, et c'est vrai que c'est normal puisque c'est quelque chose qui est quantifiable. Et en plus, chaque année, il y a des études qui sortent sur le sujet, comme par, par exemple le baromètre de la générosité. Euh, voilà. Pour autant, euh, les usages du don ne se limitent pas au don d'argent. Et euh, par exemple, on peut imaginer qu'il y a du don de soi. Donc, ça, c'est tous les gens qui vont s'engager bénévolement ou dans des associations ou dans l'humanitaire. Et il y a également donc le, le don d'objets. Donc, par exemple, donner. Euh, euh, des meubles, donner des livres, donner des vêtements, donner de l'électroménager, vous l'évoquiez tout à l'heure. Euh, voilà, tout ça, ce sont des, des nouvelles formes de dons. Et en fait, ce qui est vraiment nouveau, c'est la digitalisation de cet usage. Et c'est là qu'intervient, par exemple, Give, euh, puisqu'on propose aujourd'hui une plateforme qui permet justement de donner des objets du quotidien euh, très facilement. Alors là, vous avez aussi le même problème, c'est-à-dire qu'il faut euh, derrière des circuits justement pour réparer ces objets ou les améliorer puis euh, même les, les revendre. Ça, ça pourrait être intéressant justement. Alors aujourd'hui, euh, peut-être. Aujourd'hui, euh, nous, on se concentre effectivement sur le, sur le don d'objets euh, et donc en l'état. Euh, ouais. Après, euh, les utilisateurs ont bien sûr la possibilité de, de préciser si l'objet est en bon état ou en mauvais état. Mais derrière, ça intéresse également beaucoup d'utilisateurs qui euh, sont friands justement de réparation, euh, de, de du fait maison et qui adoptent avec plaisir ces objets justement pour leur donner une seconde vie. Euh, et c'est là aussi toute la, toute la beauté du don. Alors quels sont les objets qu'on donne aujourd'hui et qui sont les donneurs alors, les objets qu'on donne aujourd'hui, je, je l'ai je un petit peu évoqué tout à l'heure beaucoup de vêtements, des meubles, de l'électroménager. En fait, tous les objets du quotidien, on a tous des trésors cachés au fond de nos placards. On considère en moyenne que les foyers français aujourd'hui ont plus de 6000 objets chez eux. Donc, je vous laisse imaginer le, le potentiel que ça représente. Et, euh, surtout que finalement, on peut donner tout au long de sa vie. Et surtout, ça concerne tout le monde. En fait, donc tout le monde est donneur, tout le monde est potentiel donneur. C'est vraiment une action aujourd'hui qui est transgénérationnelle et universelle. Donc, euh, finalement, tout le monde est donneur. — Donc il n'y a pas de profil particulier, vous. C'est pas ce que vous constatez, en tout cas, hein, en, en termes fait, de catégories socioprofessionnelles. — On constate hein. que toutes les catégories socioprofessionnelles donnent des objets aujourd'hui et en récupèrent également, euh, contrairement aux idées reçues. — Alors justement, toutes ces nouvelles économies, ça va aussi euh, impacter évidemment euh, beaucoup sur le domaine juridique, financier. Ça veut dire qu'on va créer de nouveaux modèles avec des assurances, avec les banques. Comment ça va se passer alors, les banques, en fait, je pense, dans, dans une certaine mesure, en tout cas, sont associées à ces modèles-là, parce que les banques ont besoin de se renouveler pour justement s'adapter aux nouveaux usages. Euh, donc, euh, l'avantage de sociétés comme la nôtre, c'est qu'on on va créer au final ce besoin-là, on va montrer que le besoin, il est justement, il, on peut y répondre et qu'on est capable de monter un modèle. Et puis ensuite, les banques vont venir se, se greffer sur ces modèles-là. Nous, on a cette capacité d'innovation. On a une agilité qui est forcément plus développée que les grands groupes. Donc, on met en place ces modèles-là. On crée en fait notre écosystème avec justement nos partenaires d'assisteurs, de recycleurs, d'assureurs, de brokers, donc les personnes qui reprennent les produits. Et puis, une fois que cet écosystème est créé, ça veut dire qu'on est capable de promouvoir une offre complète, globale. Et dans ces cas-là, en général, c'est à ce moment-là qu'une banque ou un industriel peut venir nous taper à notre porte pour demander à ce qu'on mette l'offre en place chez eux. Et alors vous, de votre côté, qui sont les gens qui reçoivent les dons Est-ce qu'au final, vous ne pourriez pas quand même être un peu concurrent Parce qu'effectivement, on peut se dire, bah, si je peux récupérer, même si c'est en moins bon état, un objet, évidemment, il y a aussi cette notion de, de coût pour un certain nombre de familles. Alors tout à fait. Il faut savoir que le, le, aujourd'hui donner, donner et adopter des objets, euh, ce sont des usages qui encore une fois euh, sont présents donc tout au long de notre vie à, à des instants bien précis. Et euh, aujourd'hui donner, il y a plusieurs. En fait, ce qui est fort avec le don, c'est que c'est à la fois quelque chose qui est sociétal, donc que vous allez retrouver à, à différents moments de votre vie, donc par exemple un déménagement, euh, un anniversaire, euh, euh, etc. C'est également un, un, une action qui est sociétale aujourd'hui. Euh, pardon, pas sociétale, environnementale. Euh, dans la mesure où euh, aujourd'hui, euh, données se, se présente comme une véritable alternative finalement euh, à quoi, euh, bah, soit à la, à la revente d'un objet, soit à son stockage, ou pire à la poubelle. Oui. Euh, voilà, ouais. euh, et Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une véritable prise de conscience collective. Euh, les individus ne veulent plus simplement jeter leurs objets sans s'en débarrasser. Euh, il y a une notion vraiment de transmission. Et euh... Vous avez un chiffre qui montre cette augmentation du nombre de dons en France euh, Alors aujourd'hui, nous, depuis que la, depuis que l'application, depuis que notre plateforme a été lancée. Euh, on, est, on, a, on considère qu'on a remis en circulation plus de 3 tonnes d'objets, ce qui représente plus d'un million cinq euh, d'annonces postées sur, euh, sur notre solution. Ah oui, quand même. Oui. Et, euh, et vous, justement, de, de votre côté, euh, quelles vont être les clés pour que cette, ces nouvelles économies donc collaboratives, fonctionnelles, fonctionnent alors les clés, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, ce sont les réseaux au final, notamment de réparation, la disponibilité des pièces, le fait de pouvoir revaloriser un produit euh, au final de bonne qualité et que ce ne soit pas perçu comme un, juste un produit d'occasion, euh, puisque ce que va aller rechercher quand même l'utilisateur, c'est de récupérer des produits qui euh, fonctionnent quasiment aussi bien que le premier jour, même s'ils n'ont pas les dernières fonctionnalités. Euh, donc il faut quand même qu'on soit capable de fournir ce service-là. Ce qui et, existe depuis longtemps sur le marché de l'automobile, par exemple. Exactement, ouais. parce que ce sont des produits qui étaient aussi plus chers, donc euh, oui, naturellement, les concessionnaires vont repeindre derrière euh... Réparer éventuellement quelques petites erreurs, de, quelques, petits, quelques petits problèmes sur la carrosserie pour remettre plus ou moins neuf quoi Exactement. Donc, au final, on va faire exactement la même chose. Typiquement, l'électroménager, c'est peut-être le meilleur exemple. Avec des euh, garanties. Avec, avec une garantie euh, qui vous permet, en fait, de louer sans vous poser la question de quand date la machine. On a tous vu dans nos familles euh, des machines de grande marque qui étaient là depuis 20 ans, qui fonctionnaient toujours aussi bien. Euh, donc, au final, on doit être capable de revenir sur ces modèles qui étaient, au final, des modèles plutôt de l'ancienne génération. Et, et petit à petit... Euh, notre conscience environnementale nous repousse à revenir sur ces modèles et simplement il faut adapter derrière le modèle technique et financier pour pouvoir proposer ces modèles-là aux consommateurs. Merci beaucoup à tous les deux et à très vite sur TV7.